toujours dans le thème de paiement. Donc, par rapport aux abonnements que les étudiants ont payés, que ce soit pour les parkings, pour les chambres de résidence à l'UAJ, les cotisations actuelles des centres sportifs, donc, qu'est-ce qu'il va vraiment advenir de ces paiements? Oui, avant de répondre à cette... J'enchaîne, disons, avec ce que je viens de dire concernant le paiement de la quatrième souche. Il y a certains qui disent, voilà... il y a moins, disons, de frais et de dépenses. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'université continue, si je peux dire, il y a des frais constants qui sont là. Et puis, l'informatique en tant que telle, on vient de le constater ces temps-ci, coûte, et coûte énormément à différents niveaux. Il a fallu quand même, disons, faire des achats, disons, pour des plateformes ou bien des outils numériques, etc. Ou bien des laptops en quantité pour du personnel, de l'administration, etc. Donc tout cela, disons, coûte. Et normalement, disons, en plus, comme je dis, la question des bourses, ça c'est une inquiétude. Nous n'avons pas nous-mêmes, disons, en tant qu'université, un endowment comme d'autres universités américaines, si je peux dire, des fonds constants sur lesquels on peut, disons, compter pour avoir des intérêts et payer des... Nous avons un petit endowment qu'on a constitué ces dernières années, donc il nous faut le consolider et donner la possibilité vraiment à tous les étudiants qui veulent entrer à l'université de pouvoir, disons, le faire et d'être aidés. Et aujourd'hui, il y a pas mal de types de bourses sociales ou d'excellence ou magistère, etc., pour, disons, venir à l'aide à nos étudiants. Pour les abonnements, c'est là où, j'ai payé quelque chose, la Fahachi, mes chaînes abonnements, Mastamalto, il sera ou bien remboursé ou bien compensé. Hein? Ça, c'est clair. Quelqu'un qui a, disons, fin février, il a quitté, disons, sa chambre à la résidence, donc on doit le rembourser le mois de mars, sauf s'il revient, il dit, voilà, moi, je vais, disons, il va rester un mois de plus ou deux mois de plus. Voilà, donc, on s'entendra, disons, sur ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de problème. D'accord. Par rapport au programme d'échange, donc il y a des étudiants qui se demandent si c'est toujours possible. Et comment ils peuvent présenter leur application au rectorat dans ces circonstances, surtout pour le délai qui était de mai. D'accord, donc on est en train, disons, de prolonger. Le plus simple, c'est de contacter le service des relations internationales chez nous, le SRI. Le vice-recteur est là, Mme Carla Edé, toute l'équipe, elle est à votre disposition de là où ils sont. Les étudiants peuvent à n'importe quel moment, disons, envoyer leur candidature pour telle ou telle chose et ils seront aidés. Mais sachez aussi qu'au niveau, disons, de l'ambassade de France, c'est à peu près bloqué aujourd'hui. Et même, disons, en France aussi, pour la France ou pour le Canada, les États-Unis, les choses ne sont pas, disons, si faciles à traiter. Voilà. Il nous faut peu à peu, disons, revenir à la normale et ça va prendre du temps. Voilà. D'accord. Par rapport à la remise des diplômes, je sais que tout ça c'est reporté mais c'est les inquiétudes. On va le faire virtuellement. Virtuellement sur l'application. Oui. D'accord. Non, je ne pense pas que, disons, enfin, voir comment les choses vont ça va évoluer. Est-ce que, disons, un attroupement de 3000, 4000 personnes va être permis? Est-ce que, avec les parents, avec les... Ça ne dépend pas de nous. Ouais. C'est peut-être, disons, par classe qu'on va faire ça, ou par groupe un peu élargi. Et il nous faut, disons, étudier au moment où ça va arriver, la faisabilité de ce genre de choses. Mais moi, ce que je tiens à ce que, disons, un, que votre diplôme ait de la valeur. C'est ça, j'ai commencé par ça, je le répète. Et puis, que ce soit un moment vraiment de bonheur pour vous aussi, pour toutes les personnes diplômées. Voilà. D'accord.
Vous avez parlé des bourses d'excellence. Oui. Donc, les étudiants qui bénéficient effectivement de ces bourses se demandent sur quoi va se baser à la fin de l'année le maintien ou non de leur bourse. Est-ce que ça se basera sur le classement du premier semestre? Est-ce que le classement du second semestre sera également pris en considération? Voilà. Si, disons, il y a un classement du second semestre en de bonnes conditions, ça va être, disons, sur la base du second. Sinon, ce sera sur le premier. D'accord. Vous voyez? C'est clair. Très clair. Voilà. Et pour les concours d'entrée, les étudiants se demandent s'ils vont être maintenus et sinon, donc comment les élèves de terminale. Voilà, les élèves de terminale. Normalement, pour les deux institutions qui sont en train d'admettre, disons, leurs étudiants en première année rien que par le concours, disons, ça va être maintenu. Bon, espérons que, disons, les conditions vont être permises. Il y a la question du bac aussi qui est problématique. On ne sait pas, disons, à quel moment ça va être fait. Ça, c'est pour l'ensemble des étudiants et des élèves de terminale qui vont arriver à l'université. Donc, pour ces deux-là, en principe, c'est maintenu et ce sera annoncé, disons, au moment opportun. Pour les autres, période anticipée, ils ne prennent que, sur le dossier, ils ne prennent que sur le dossier, ou bien ils prennent sur le dossier, mais il est possible qu'ils prennent aussi, disons, quant au résultat du concours, ça va être le dossier surtout, disons, de première, de seconde et de le premier semestre de la terminale. Voyez, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord. Et une dernière question, il y a les étudiants qui ont besoin de documents. Ils se demandent quand est-ce que le secrétariat sera disponible, comment faire par rapport à ça. Voilà, disons que ma réponse est claire. Tous les secrétariats, même s'ils ne sont pas, disons, sur place, sont, disons, disponibles. D'accord. L'étudiant peut, à tout moment, s'il a, disons, le code, disons, de l'adresse mail du secrétaire, de la secrétaire, ou bien du doyen, il peut, disons, envoyer. Sinon, il peut envoyer sur VRAA, @usj.edu.lb, sinon recteur@usj.edu.lb, et nous sommes à votre service. Voilà. Pour faciliter, disons, l'obtention de tout document qui... Mais, bon, bien sûr, disons, la priorité, c'est, disons, au secrétariat et aux doyens, aux responsables académiques qui sont tous, disons, vraiment tout le temps connectés sur leur, machine, afin de recueillir les avis ou bien les... Et n'hésitez pas, disons, je m'adresse à tous les étudiants, à leur écrire, à entrer en contact avec eux, n'ayez pas peur. D'accord, donc voilà, c'était tout par rapport aux questions. Un grand, grand merci à vous, un grand merci à toute l'équipe de technologie l'UNTE, qui travaille sans relâche. Merci à tous nos enseignants qui sont toujours à l'écoute, à nos doyens, à nos médecins, à nos étudiants, à nos résidents. Et donc, j'espère que tout le monde respecte ce confinement qui est quand même assez... dur moralement, mais bon, c'est la seule solution qu'on a.